Boisfoot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Vous êtes dans le Digac intégral. Match replay. Tous derrière le CSM. Toute l'actualité du club sportif moulien est à suivre sur CONCACAF Champions League. We speak English now, we don't speak Creole, we speak Spanish. As four teams try to make it to the next round. Steve, moi j'aime bien filmer le directeur de casting parce qu'il est extraordinaire. Le CSM est en mode Ligue des Champions de la Caraïbe Amateur. Suivez notre aventure en Ligue des Champions des Caraïbes. Les deux matchs du CSM se dérouleront vendredi 5 avril, puis dimanche 7 avril à Curaçao, à partir de 17h30. Ça c'est play football. Voilà. We love this game. We have to play football in Curaçao. Thank you. We have to speak English. Spanish, un poquito. Qu'est-ce que c'est la chose la plus importante, c'est déjà le qu'est-ce que le bonjour matinal. Ah, qu'est-ce que les Brésiliens disent ça, qu'est-ce que bon, mais moi, pour encore, je t'ai dit, peace force quand même. Nous, qu'à garder l'école là quand même. Nous, ouais, merci, on finit. Salut, c'est Chris Miller-Bolman, je vous balance un petit clip de MHD sur Télé CSM. Sportif moulin. Nous avons écrit Curaçao, nous avons parlé anglais, français, waronais. Et nous parlons avec l'école là, c'est bien. Donc c'est inscrit dans l'ADN du CSM, quel que soit ce qui passe ici. On est des champions, on est là pour gagner. C'est tout. Et vous êtes des champions en titre de Guadeloupe. Il faudra démontrer ça ce soir. Ajax dans les buts, les défenseurs classiques, hein, de Alan jusqu'à Momo. Donc avec Valmy et Montantin, voilà les quatre qui vont jouer derrière. Donc aujourd'hui, tu seras remplaçant parce qu'on a 3, 4 matchs ou 5 matchs. Voir les gens qui ne commencent pas aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a décidé, c'est les meilleurs qui jouaient, c'est pas ça. Hein. Parce qu'on pense déjà après-demain. Parce qu'on pense déjà, il y en a parmi ceux qui vont jouer aujourd'hui, ils ne pourront pas faire 2 matchs tout de suite après, là, dans 2 jours, il y aura des changements. Donc ne prenez pas le fait si je ne commence pas, voilà, non. Parce qu'après, peut-être c'est vous qui allez rentrer, qui allez faire la différence. Donc voilà les quatre qui commencent derrière. Au milieu, on va prendre ce qu'on maîtrise bien avec Mixture en sentinelle et Sébastien et Willis devant lui, avec une pointe derrière. Après, si ça peut être une pointe devant, on verra, le staff va décider. Pour commencer, on va commencer avec Viardou. Vous voyez qu'on se constate un petit peu là sur la mise en place. Parce qu'en ce moment, il est un petit peu mieux. Il est frais, il a été blessé pendant longtemps, il arrive avec de l'envie, il a marqué des buts sur 2-3 minutes de match. On sent qu'il est dans le bon truc, et ça c'est important pour l'équipe. D'accord ? Francis sera sur le banc, mais on compte sur Francis et les autres, bien sûr. Francis a de l'expérience, il est le meilleur buteur du club, donc on connaît toutes ses qualités. Mais c'est une manière aussi de savoir que je suis prêt, j'attends mon tour. Ok ? Sur les côtés, Jean-Ki aussi. Tu es très bien à gauche, quelquefois on te met à droite, ça ne te plaît pas forcément quelquefois, mais bon, en fonction de la situation, tu vas commencer à gauche. Si on passe à deux devant, tu vas te rapprocher de Viardot, on te dira, on compte sur ta vitesse, on compte sur ta jeunesse, l'envie que tu as toi aussi, parce que tu as été blessé pendant longtemps. Et quand on revient, quand c'est comme ça, on a faim. Et ensuite, à droite, on l'a essayé, on va mettre un jeune Carlé, parce qu'à chaque jour, chaque moment, vous avez la possibilité de prouver des choses. On va commencer avec toi. Souvent, c'est Nounou qui commence. Ou quelques d'autres, mais c'est toi qui vas commencer à droite. Donc voilà une équipe équilibrée, les gars, qui nous permettra d'être sur le terrain, avoir une bonne posture, et offensivement et défensivement. Voilà ce qu'on a. Les autres, vous êtes 18, d'accord? C'est plus simple que je dise. Quels sont les deux qui ne seront pas sur la feuille de match? Les autres, vous y serez tous. Les deux qui ne sont pas sur la feuille de match pour aujourd'hui, c'est Orella et Johan. Où est-ce qu'il est? Voilà. Mais tenez-vous prêts, vous êtes avec nous. Hein. Il y a des matchs qui vont arriver. Donc forcément, gardien remplaçant de Siberge. Les gars, franchement, on a réfléchi et pourtant, on vous connaît tous, on a discuté un peu. C'est la meilleure formule pour nous de bien commencer. De bien commencer en sachant que sur le banc, on aura encore du répondant.
Nous sommes au sortir de la causerie d'avant-match, jour J pour l'entrée dans le tournoi de la CONCACAF pour le CSM, qui jouera cet après-midi contre les Barbadiens, sa première rencontre de groupe. Je suis, vous l'avez constaté, avec le staff du CSM, Richard Albert, Steve Bizassen et Rodrigue Zamy. Comment ça se passe depuis que vous êtes ici à Cuirasso? Est-ce que vous sentez vraiment une montée en puissance par rapport à une compétition qui est d'un autre niveau que celle qu'on connaît en Guadeloupe tous les jours? C'est sûr que c'est une compétition d'un autre niveau. Donc, bien heureusement, il faut que ça monte en puissance. C'est ce que l'on ressent, puisque nous, staff, on a tout mis en place pour que, justement, les joueurs évoluent vers un bon niveau de concentration, de préparation et tout. Donc, nous sommes là depuis 3 jours. On a travaillé, on a eu des entraînements, on a fait des petites réunions, on échange avec eux. Ils sont dans des situations plutôt favorables d'hébergement, aussi pour la nourriture. Donc, les conditions sont réunies, effectivement, pour que cet après-midi, que l'équipe soit au mieux, en tout cas pour ceux qui sont là, pour ceux qui sont venus avec nous. Et vous avez constitué bien sûr la meilleure équipe pour débuter. Steve, vous avez également hier soir pu visionner l'adversaire, une séance vidéo. C'est toujours très important aussi de voir que l'adversaire a des qualités et qu'est-ce qu'elles sont. Ben déjà oui, parce que s'ils sont là, c'est qu'ils ont des qualités. Hein. C'est des champions dans leur pays, parce que c'est des nations. Et par rapport et pendant ce que tu as dit concernant la montée en puissance, effectivement, nous sommes arrivés. On a vu l'arrivée de quelques équipes, donc c'est toujours un peu, je ne dirais pas stressant, mais bon, vous êtes quelque part et tout, vous voyez du monde arriver au fur et à mesure. Après, vous avez les réunions avec la CONCACAF qui vous précise un peu l'ordre des choses et on voit que c'est quelque chose de discipliné, les horaires, les amendes si vous êtes en retard et tout. Donc tout ça fait monter un peu crescendo, un peu le stress et pour montrer un peu l'importance de cette compétition. Pour répondre à la deuxième question concernant la préparation du match, effectivement, on a vu quelques images pour montrer aux joueurs et tout, pour qu'ils se mettent dans l'ambiance, surtout pour voir un peu l'équipe, comment elle joue, comment elle se déplace, et notamment les points forts. Donc c'est toujours intéressant pour un joueur de voir ça. Ça lui permet aussi d'entrer petit à petit dans la compétition sans pour autant être trop stressé, parce qu'un joueur doit être libéré pour pouvoir produire quelque chose de performant. Rodrigue, que dire de la vie du groupe ici? Mais le groupe, ils vivent bien ensemble. Hein. Donc, on sort de notre réunion d'avant-match. On sent bien les joueurs motivés et prêts à en colo cet après-midi avec l'équipe adverse. Merci et on se retrouvera bien évidemment tout à l'heure au stade pour cette première rencontre du CSM en Ligue des Champions de la Caraïbe. Bon, alors que les joueurs rentrent à l'instant sur la pelouse, le CSM bien sûr. Et à leur gauche, les Barbadiens. Avec la musique officielle, bien évidemment, vous l'aurez compris, de cette Ligue des Champions. Formation du CSM qui s'aligne avec une équipe habituelle. Alors c'est vrai qu'on regrette pour raison professionnelle, dira-t-on, l'absence de Vikash Thier qui ne sera pas à la pointe de l'attaque aujourd'hui. Alors que les joueurs mouliens y avons posé, on va dire, pour la postérité, la traditionnelle photo de famille. Jérémy Valmy qui rejoint ses camarades. Et que bah, ce sera devant Wilcide Jeanqui et Mehdi Viardot qui revient de blessure depuis 2-3 matchs et qui a marqué en rentrant 10 minutes et en marquant des buts décisifs. Donc c'est lui qui animera avec Wilcide Jeanqui l'attaque. Au milieu, on trouve les mêmes. Sébastien Lobry, Willis Francione, le jeune Carlet qui jouera titulaire aujourd'hui avec le numéro 13. Mixture devant Sébastien, je l'ai dit, et bien évidemment derrière une défense traditionnelle avec Kevin Ajax dans les buts, Morgan Justine, Jérémy Valmy, le capitaine, et Alan Villemain, et Jérémy qui va se mettre au centre de ses joueurs pour la motivation. Bon, que dire de l'assistance? Eh bien, écoutez, c'est un public moyen, on va dire, une chambre moyenne. Ça n'attire pas la grande foule. On sait que la dernière fois que les Guadeloupéens avaient joué ici, c'était la sélection, une défaite cinglante 6-0. Kevin Ajax était déjà dans ses mêmes buts. Il y avait 15 000 personnes ici.
Le stade était entièrement bondé. Et aujourd'hui, ce n'est vraiment pas le cas. Avec une première balle qui va essayer de mixture qui va essayer d'élargir. Voilà. Ah non, une mauvaise transition puisque Barbadien a pu couper la trajectoire. Vous allez voir qu'ils vont très vite quand ils récupèrent le ballon. Heureusement non cadré. Coup franc, ils vont essayer de trouver une solution sur le côté. À chaque fois, ils essaient d'élargir et d'écarter le jeu. Ils ont toujours le ballon. Oui, regardez, ils ont tout de suite écarté. On centre, attention à la... Oh là 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 là, bien pris par Jérémy Valmy qui, avec beaucoup d'autorité, a devancé l'attaquant barbadien. Mais là, vous l'avez vu, hein, c'est exactement ce qu'ont pu regarder hier soir sur le grand écran les joueurs mouliens lors d'une séance vidéo avec Willis Francione. Qui a pu donner son ballon avec Vamur. Vamur qui, lui, n'a pas pu le donner dans de bonnes conditions. Avec le poteau, c'est pas évident de voir le ballon. Et avec la tâche d'ombre. Attention, il faut la dégager celle-là, il faut sortir. Et Kevin Ajax qui a bien pu, heureusement, dégager ce ballon. Allez, un contre. On la met pour Wilson Janky qui essaie de. Il n'a pas pu redresser malheureusement ou frapper en tout cas dans de bonnes conditions. Ce ballon il est excentré. Parce que c'est vrai, comme je vous l'ai dit, hein, ces joueurs de Barbade, c'est leur jeu, ils ont l'habitude de jouer comme ça. Un jeu très rapide. Ils progressent. Ils essaient de progresser rapidement, en tout cas sur ce qu'on a vu dans leur championnat barbadien de bon niveau, de très bon niveau même. Donc c'est vrai qu'on va attendre pour voir comment le CSM se situe face à cette adversité-là. Attention à cette balle, elle est bien sortie, Kevin Ajax, qui a pu couper avant l'attaquant Rabadien. On dégage, et ça revient. Mal en hauteur, mais il faut la mettre à terre pour pouvoir bien la jouer. Ouais, c'est Jean qui n'a pas pu l'amener tout seul. En tout cas, le premier quart d'heure, ce sont bien évidemment deux équipes qui s'observent. Il demande Richard au deuxième. Attention. Ah, dommage, il n'a pas pu la reprendre, Carlet, c'est pas fini. Ah, avec la reprise à l'entrée de la surface de réparation de ce même Carlet. Mais la faute est sifflée en faveur de l'équipe barbadienne. Vous voyez, il faut tourner en deux touches de balle à peu près. Voilà, il la touche plus, là. Il la conduit. Et elle est bien récupérée par Mixture. Mixture, Willis Francione qui... donne pour Viardo qui va essayer de trouver en profondeur, peut-être non, il est obligé de revenir, sinon il va la perdre. Et c'était bien joué. Ouais. Sébastien Lobry qui a pu écarter le centre et cette reprise de Viardo, malheureusement qui passe à côté. Ouais. C'est dommage. Voilà l'affiche de cette rencontre et puis on essaye donc de vous faire vivre cette partie débutée depuis près de 20 minutes. Ah oui, attention là, ouais. Et vous avez vu comme Kevin Ajax a fait attention de ne pas laisser traîner son pied déjà qui est en délicatesse. Et Barbadien qui sortent, qui se dégagent. Ils essaient à chaque fois de jouer juste, hein. C'est-à-dire de pas faire de passe un peu, on va dire, à l'emporte-pièce. Attention, voilà, cette balle complètement au-dessus. Voilà, on demande d'accélérer là, Willis Francione. Il a beau, ouais, super, elle est bonne celle-là. Et elle est hors-jeu. Signalé hors-jeu. Et effectivement, il avait fait le bon 1 contre 1, Willis Francione. Il avait pu donner dans de bonnes conditions à Carlet. Carlet qui est parti en position de hors-jeu et qui n'a donc pas pu continuer à jouer ce ballon qui était offert
et qui lui aurait permis, s'il ne l'avait pas été, d'aller inquiéter le gardien adverse. Attention là, avec ce, il va être obligé de projeter, c'est de passer en 1 contre 1, et oh, il a réussi. Et une balle bien dégagée. C'était la seule chose qu'il fallait faire. Et on siffle en faveur de cette équipe barbadienne qui a pour se dégager. Avec une touche. Ils essaient de tourner quand même comme il faut. Ouais, balle qui va sortir largement. Encore une fois, pour une touche. Et c'est donc cette touche pour Cédric Vamur encore. Hein. Alors, s'il y a une fausse touche, hein. Faut s'appliquer hein, dans ces cas-là. On sait très bien qu'on ne peut pas se permettre de rater une touche à ce niveau-là. C'est redonner bêtement le ballon à l'adversaire. Salut, c'est Richard Albert. Vous êtes dans le tic-tac intégral. Vous êtes dans le tic-tac intégral. Match replay. On va arriver à la demi-heure. Attention, il a encore du champ. Il a encore du champ. Et il crochette, il se met sur son autre pied, il a centré, attention, dans la surface, il frappe, ouh là 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 là. Alors je peux vous dire qu'elle est, bon heureusement elle était de façon horizontale, mais ça aurait pu, elle a été contrée. CONCACAF Champions League. Voilà, un petit dégagement encore une fois, il ne va pas chercher loin, Kevin Ajax. Et à la duel, la tête, attention. Ouais, il y a une petite faute quand même dans le dos de Sébastien Loury, mais avantage. Avec Montantin. Ouais, on l'a bien écarté. Il n'a pas eu le temps de pouvoir marquer ce ballon. C'est bien d'écarter ça, il faut centrer ou déborder, voilà, c'est pas fini, attention, on n'arrive pas à se mettre dans le sens du but. Il a bien évité la faute là, attention. Le centre, oh, le poteau encore une fois, excusez-nous. Oh là là, et le but du CSM à l'instant même. Le CSM qui ouvre le score par Wilsy Djanki. Oula, a-t-on l'habitude de dire. Et donc, ouverture du score de Wilsy de Djanki. En direct, le match du CSM. Eh bien, c'est Wilsy Djanki qui ouvre le score. Alors, juste avant la mi-temps, on ne peut pas dire que ça soit pas mérité, ça c'est clair. Même s'il n'y avait pas eu beaucoup d'occasions juste avant, bah comme on l'avait pressenti, comme les joueurs l'ont vu sur la vidéo hier, la séance vidéo, attention avec Kevin Ajax qui a pu s'emparer de ce ballon. Et bien qu'ils aimaient les espaces, et en tout cas, essayer d'en trouver. Tous derrière le CSM. Toute l'actualité du club sportif moulien est à suivre sur TélécSM. CONCACAF Champions League. We speak English now, we don't speak Creole, we speak Spanish. As four teams try to make it to the next round. Et voilà, c'est la mi-temps, c'était une minute hein, finalement. C'est donc la mi-temps ici à Cuirasso sur ce score d'un but à zéro en faveur du CSM. On va donc bien évidemment se retrouver en seconde période. On va marquer une petite pause, si l'on peut dire. On va se rendre dans les vestiaires, nous, pour essayer d'écouter les propos de Richard Albert. Et se retrouver donc en seconde période ici, depuis Cuirasso, 1 à 0. Ici donc pour l'équipe du CSM. A tout à l'heure. Et c'est donc reparti ici à Cuirasso. Vous n'avez rien loupé,
moins d'une minute de jeu dans cette seconde période. Alors Richard Albert dans les vestiaires vient d'insister auprès de ses joueurs en disant qu'il considérait qu'ils étaient à 0-0 et qu'il fallait continuer dans cet esprit-là, que techniquement ils étaient supérieurs et que ça allait donc être possible d'enfoncer le clou, on va dire, dans cette seconde période. Il faudra bien sûr tenir, ne pas faire d'erreur. Et les choses pourraient, en tout cas, bien se passer pour ce premier match de CONCACAF ici à Cuirasso pour le CSM, avec une balle là qui a été dégagée très loin par Cédric Vamur, mais qui n'a pas pu trouver quelqu'un. Ce sont donc les Barbadiens qui vont repartir et qui eux vont être obligés maintenant de pousser pour revenir au score, parce qu'on l'a dit, dans une poule de 3, le premier match il faut l'emporter automatiquement si on veut aller plus loin. Attention, avec là une bonne frappe et bien contrée par le gardien, c'était Mehdi Viardo qui nous a confié son intention de vouloir passer la surmultiplier en seconde période tout à l'heure là, dans le tunnel, qui jouait Carlet qui, ouais, elle est dégagée en touche encore. Et comme elle a été touchée, c'est une balle pour les Barbadiens. Cette équipe de Weymouth Wales. Alors que les projecteurs dans ce stade maintenant commencent à s'allumer à la tombée de la nuit. Attention, peut-être, vous voyez ce que ça charrie comme. Dès qu'il y a un appui, on voit ces boules de gomme noire là se soulever. Allez, aussi Janky qui se l'amène. Il faut qu'il essaie de tenter sa chance. Là. Ah, il est passé, il va pouvoir centrer. Non, il a été contré. Bien, j'aimerais qu'on puisse être en direct. J'espère que ça va se produire tout au long de la compétition. Hein. Attention avec cette frappe là, cette frappe, ouh, juste à côté des buts. Match replay. Salut, c'est Richard Albert, vous êtes dans le direct intégral. Là, ils sont tous au ballon. Attention, non, c'est. Ouais, ils vont, voilà, ils ont. Mais oui, attention, il est. Oui, heureusement. Alors, Kevin Ajax, dans un premier temps, l'a bien repoussé. De toute façon, il ne pouvait pas la bloquer parce qu'il était un peu. Presque à genoux. Et l'attaquant de Barbade l'a repris mollement dans les bras du gardien Moulien. Là, on peut dire qu'en fait, c'est la première occasion vraiment franche des Barbadiens depuis le début de cette rencontre. Marc Landre qui va faire son entrée. À la place de Mehdi Viardot, justement. Bon, qui ne pourra pas convertir sa petite confidence de tout à l'heure qu'il m'a faite dans le tunnel en me disant qu'il allait tout faire pour marquer un but. Allez, il faut qu'il y aille. Il faut qu'il y aille. Allez, il faut qu'il provoque. Voilà, il faut qu'il rentre. Oh là 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 là! Elle passe à côté! C'est un plaisir de se rendre ici dans la Ligue des Champions de la Caraïbe tous les. Je dirais pas tous les ans parce que c'est pas le cas, mais il faut être champion pour venir ici. Et c'est donc. Dylan Francis qui va remplacer Ryan Carley qui sort. Dylan Francis qui rentre, et lui, je peux vous dire qu'il va être comme un mort de faim. Il va vouloir se signaler devant. Cette balle n'est pas passée, heureusement. On la dégage, oui, avec mixture. Elle revient dans les pieds des Barbadiens. Qui essaie d'écarter, voilà qui est fait. Ils sont sur crochet, ils crochettent et sur directement sur Kevin Ajax qui peut s'en saisir.
Attention à cette balle là qui était perdue. Ah, il est obligé de revenir en arrière. Heureusement, Ranan, il l'a trouvé sur le côté. Attention! Elle passe miraculeusement à ras du poteau de Kevin Ajax. Il faut faire attention à ce genre de ballon. On entendait peut-être de loin. Deuxième poteau, attention. Oh là, super contrôle, attention. Ah bah, c'est marrant parce que. Enfin, c'est marrant. Sur la séance vidéo que nous avons proposé aux joueurs hier soir, donc j'avais monté un extrait d'un but, exactement le même. Contrôle dans la surface. Bon, c'est vrai qu'il est parti d'un peu plus loin. Je pense que c'est ce même joueur. Il a émis lucarne opposée à la sortie de l'intérieur du pied. Rien à faire. Là, je crois qu'il a essayé de faire la même chose. Mais il n'a pas réussi. Heureusement. Bah, là, ça fait deux occasions. En deux minutes là pour le Weymouth Wales de Barban. Ouais, il était sorti du terrain, Dylan Francis, donc il est retourné sur le terrain. CONCACAF Champions League. We speak English now, we don't speak Creole, we speak Spanish. Oh, attention, on va essayer de cadrer un peu mieux. Attention avec cette balle qui revient et qui passe au-dessus. Début de Kevin Ajax. Et c'est fini. À l'instant même, première victoire du CSM dans ce tournoi CFU CONCACAF de la Ligue des Champions. Et voilà, Richard Albert qui salue les Mouliens présents ici, qui vous salue également à travers WaFoot TV, Télé CSM. Certes, vous le voyez ici, les joueurs Mouliens sont vraiment au bord de la mer, dans un cadre vraiment parfait pour se reposer, pour se préparer, mais ils ne sont pas en vacances. Ils vont bien sûr jouer leur deuxième match face à Bonaire, Bonaire qui jouera à domicile. Et on le sait, les joueurs Mouliens, dans le groupe, 7 joueurs sont concernés par une intoxication, un virus. C'est ce qu'ils ont appris ce matin. On pensait que c'était une bactérie, une gastro, mais non. Cela pourrait peut-être légèrement affaiblir le groupe. Quant à moi, je pense que je vais aller me baigner. Tous derrière le CSM. Toute l'actualité du club sportif Moulien est à suivre sur Télé CSM. CONCACAF Champions League. We speak English now, we don't speak Creole, we speak Spanish. As 4 teams try to make it to the next round. Vous êtes mentalement prêt. Et on va se transcender pour être prêt. Sur ça, on a été clair. On était clair là-dessus. Bonaire, on les voit, ils sont arrivés au dernier moment, ils habitent à côté là. Bonaire, c'est comme si c'était Marie-Galante hein, par rapport à la Guadeloupe. C'est des locaux. Hein. Bonaire, c'est Marie-Galante par rapport à la Guadeloupe. Donc ils sont à domicile. Donc on est doublement plus vigilant qu'eux. Ceci dit, les conditions autres que ce dont je viens de parler sont les meilleures. On est préparé. On a gagné le premier match. On est bien dans notre tête par rapport à cela. Donc on doit être encore plus performant. Hier soir, on a fait la réunion et si vous avez pas mal de détails sur les conditions, sur l'adversaire, c'est lui qui a fait le résumé sur la vidéo. Donc on a tous les éléments pour aborder ce match-là dans de bonnes conditions. On n'a pas le droit de brûler nos cartes. On a une seule obligation, c'est d'être performant et de ne pas avoir de regrets après. D'accord ? Sur ce match-là, l'adversaire, on a vu un peu ce que ça donne. Il faut se préparer à quelque chose de costaud. Il faut se préparer à ce qu'il y aura beaucoup de duels et que l'arbitre, que je vous dis, ce sont des arbitres de Curaçao, trop les trois, ils ne vont pas nous faire de cadeaux. Hein. Vous avez vu la dernière fois, il y a des moments où il y a faute, vous restez au sol, mais ça continue. Hein. Il y a faute, on est debout tout de suite. Quoi. On réagit tout de suite. Ça joue vite. Les ballons reviennent vite avec les ramasseurs de balles. Donc il faut être prêt à la première seconde jusqu'à la 95e minute. Et être prêt, c'est quoi? Être prêt, c'est être en alerte, être observateur. Regardez ce qui se passe. Ne rien laisser au hasard. Vous parlez en permanence. Vous voyez, quand ils jouent, il y en a qui parlent. Attention, à droite, à gauche, ça vient. En retrait, ils se parlent en permanence. Nous, je trouve qu'on ne parle pas suffisamment entre nous. C'est d'autres justement qui parlent trop. Et de permettez-moi de l'observer puisque vous me le dites. Il faut être dans le relationnel l'un avec l'autre en permanence. Hein, j'ai entendu la dernière fois. Valmy, rappeler à l'autre Vamur, etc. Il faut le faire.
C'est normal, ça fait partie du jeu, la relation entre les joueurs. Ce n'est pas que le ballon, hein, c'est la communication aussi. Il faudra beaucoup communiquer entre vous sur les replacements, sur les déplacements. Allez chercher, attention, on revient ensemble, il faut le dire. Donc voilà l'état d'esprit. Le jeu, on l'a mis en place déjà. On reste sur l'idée de ce qu'on a fait la première fois avec un bloc à mi-terrain, sans laisser trop d'espace dans le dos. En même temps, sans trop laisser le jeu à l'adversaire. Donc il faudra aller sur le bon coup. Comment on va les chercher, à quel moment? On va en reparler, hein, comme on le fait à chaque fois juste avant le match. On ne va pas les laisser jouer. On a décidé qu'on pourrait aller tout de suite se positionner. Mais on a dit qu'on les 10-15 minutes quand même, on va être un peu comme la dernière fois. On voit comment ça se passe. Gaël Schlosser, hein, pour mon info. Gaël, en fait, depuis le début, pratiquement, on soupçonnait une intoxication alimentaire pour 7 ou 8 joueurs du CSM. Là, c'est un peu plus sérieux. On parle de virus. Bah, en fait, ouais, on soupçonnait qu'il y avait des soucis au niveau de la nourriture, au niveau de l'hôtel. On a vu les médecins, on a fait une petite plainte à la CONCACAF, on a vu les médecins désignés de la CONCACAF. Ils assurent que ce serait plutôt viral, en fait. Donc, ça ne viendrait pas forcément de la nourriture. Mais c'est un virus, ouais, qui se balade là. Alors ça implique que, bien sûr, ça affaiblit les gens concernés, ça les déshydrate, qu'est-ce que ça leur fait? Bah, en fait, on a des joueurs qui se plaignent de diarrhée, on a eu quelques cas de fièvre, quelques problèmes musculaires. C'est des joueurs qui se déshydratent beaucoup, il va falloir qu'on boive un maximum. Et avec tout ça, on perd pas mal d'électrolytes, tout ça, donc on a essayé de mettre un peu de sel dans les bouteilles, histoire que les joueurs soient en forme. En gros, c'est une équipe du CSM affaiblie. Est-ce qu'on a une idée? On va laisser passer devant là. Ça peut être possible. Oh putain. Bon, je recadre. Putain, il faudrait que je... Ouais, je peux même pas le... Bon, c'est pas grave, on a choisi d'être dehors. Parce que j'ai peur qu'on n'entende rien. Est-ce qu'on a une idée du temps que ça peut durer? Parce que bon, ça fait déjà 3 jours. En fait, le premier cas a été, on l'a vu, le premier cas jeudi. Là, ça va de mieux en mieux. En fait, il y a une grosse fièvre qui passe. Une fois que la fièvre est passée, ça devrait aller mieux. Ce qu'il va falloir se réhydrater. Les joueurs ont peur de manger, de peur de tout perdre. On va donner les médicaments qu'il faut et il va falloir qu'ils mangent parce que les médecins sont clairs là-dessus. Il faut absolument qu'ils mangent pour avoir des forces pour cet après-midi là parce que l'échéance elle est cet après-midi. Donc il va falloir qu'on trouve des forces dans la nourriture, dans l'eau avant cet après-midi quoi. Ouais, parce qu'en fait pour un patient normal, bah, il aurait fallu prendre des antibiotiques. Là c'est pas possible pour des joueurs de foot qui jouent. Si c'est viral, oui, on passerait sur des antibiotiques. Après on suit ce que les médecins de la CONCACAF nous donnent comme indication. Super, merci. Rodrigue, deuxième match de cette compétition dans cette poule de 3, ce qui veut dire que bah, c'est pratiquement une finale pour être premier. Oui, c'est tout à fait. Là, aujourd'hui, on va chercher la qualification. Et notamment, on va chercher la première place pour être mieux loti lors de la prochaine journée. Ce qui veut dire qu'on peut pratiquement, à moins d'un scénario incroyable où les trois équipes se retrouvent à égalité, qui est départagé par le goal average, on peut dire que le CSM est déjà en quart de finale, mais qu'il faut effectivement bien se placer pour les aborder. C'est clair, par sécurité, nous devions gagner ce match pour être sûr d'être qualifié pour le prochain tour. On a un petit problème quand même dans le groupe. Depuis 3 jours, certains joueurs, 7 à peu près, dont les titulaires sont atteints d'un virus. Vous avez appris ça auprès des médecins ce matin? Oui, tout à fait. Ça fait 2-3 jours, on a quelques joueurs qui sont atteints par une intoxication alimentaire. Mais on a eu 2 médecins de la CONCACAF qui sont venus l'ivoire ce matin et qui nous a filé quelques conseils, notamment sur la nourriture, les boissons à ne pas boire et à boire. Est-ce qu'on peut craindre qu'ils soient un peu affaiblis quand même pour jouer ce match? Non, je pense que les joueurs ils sont prêts, donc tout se joue sur le mental. Hein. Donc je pense qu'ils feront autre de ce petit souci et ils seront fin prêts pour découdre avec l'équipe de Bonaire à 17h30. Bonaire,
et Curaçao, c'est un peu la Guadeloupe et Marie-Galante. Ce sont des joueurs qui vont jouer pratiquement à domicile. Tout à fait, je pense qu'ils seront à domicile, donc ils auront les supporters avec eux, mais nous, on devait être présents et se montrer aussi à domicile. Et donc, il faut coûte que coûte qu'on aille chercher cette victoire cet après-midi. Et également des joueurs, des arbitres, hein, les trois arbitres qui sont de Curaçao. Ça, bon, c'est un élément supplémentaire en votre défaveur, tu penses ? Non, bon, on connaît déjà, quand on vient dans la Caraïbe, on sait déjà que les arbitres, ils ne sifflent pratiquement pas certaines fautes. Mais comme je dis, nous, on devrait jouer au football et puis oublier cet aspect-là. Ok, ce qu'on va faire, c'est que je vais... Donc là, je coupe... Là, non, non, tu sais ce que tu vas faire, tu... Là, je te prends juste pour illustrer, en train de descendre. Pour illustrer ? Pour illustrer. Ah. Attends. C'est-à-dire que tu parles pas, tu vas rester là et tu vas descendre. Tous derrière le CSM. Toute l'actualité du club sportif moulien est à suivre sur le CSM. Champions League. We speak English now, we don't speak Creole, we speak Spanish. As four teams try to make it to the next round. En direct, le match du CSM sur le CSM. Match replay. Salut, c'est Richard Albert, vous êtes le direct intégral. Tous derrière le CSM. Vous êtes dans le direct intégral. L'entrée des deux formations sur ce terrain de la Ligue des Champions de la Caraïbe. Deuxième rencontre du groupe B pour le CSM. Il va donc affronter le Real Rinçon-Racon de Bonaire. Des voisins, hein, puisqu'ils sont bien évidemment à pratiquement à domicile. C'est une dépendance de Curaçao. De Curaçao, pardon. Ville voisine en tout cas. Et donc cette formation qui a remporté le championnat de Bonaire. Match replay. Salut, c'est Richard Albert. Vous êtes dans le direct intégral. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Tous derrière le CSM. Toute l'actualité du club sportif moulien est à suivre sur le CSM. Champions League. We speak English now. We don't speak Creole. We speak Spanish. As four teams try to make it to the next round. Ah, il est passé. Attention. Ouais, non, finalement, ouais, super. Oh, il la met en chandelle. Il la met en chandelle, ça peut être récupéré. Attention, il faut être sur le ballon. Voilà, Morgane Justine et donc Montantin très proprement qui la met à terre. Et oui, c'est Francillon qui a pu enchaîner. Mais il y avait a priori une faute, hein. Il faudrait qu'on revoie peut-être. On s'attendait, alors c'est vrai que on est un dimanche après-midi, donc il fallait peut-être pas non plus s'attendre à une grande foule. Mais comme l'équipe de Bonaire, enfin en tout cas, Bonaire est une dépendance de Curaçao. On pensait qu'il y aurait plus de monde ici, parce que le premier match des champions de Curaçao, vendredi soir, après celui du CSM, je peux dire que les travées du stade Ato, cette fois, où le CSM a donc joué sa première rencontre face à Barbade, était rempli. Enfin, pas rempli vraiment, parce que c'est Kevin Ajax qui l'a vu rempli lorsque la sélection est venue ici, sélection de la Guadeloupe. Triste. De triste mémoire. Hein. Alors, il nous a fait rire, Kevin Ajax, parce que il expliquait qu'il avait conjuré le sort avec cette victoire du CSM. Et là, une tentative de retourner de Dylan Francis, qui l'a même réussi, dans les bras, malheureusement, un peu trop molle pour l'inquiéter, mais superbe geste. Match replay sur TéléCSM. En chandelle. Ouais, Sébastien Lobry, c'est bien joué ça derrière. Regardez comme ça arrive bien ce ballon. Ah dommage, il l'avait vu partir Christopher Despen, mais
Malheureusement, non. Enfin, lui, il n'était pas forcément parti, justement. Ah, là, il ne veut pas la donner un peu dans l'axe sur Montantin parce qu'il est un peu pressé par le numéro 21, là. Donc, il vaut mieux trouver quelqu'un d'autre. Voilà qui est fait. Ouais, ça s'est bien joué. Ah, une balle, c'est bien tenté de la part de Dylan Francis. Dans le petit filet. C'est bon signe d'ailleurs, le Real a Rincon. Alors, je ne sais pas si en espagnol on dit pas Rinson. Peut-être. Il a pardonné mon accent. On va dire Rincon. Sans contre-pétri possible, hein, bien évidemment. Enfin, si, vous voyez ce que je veux dire. Allez, continue, il faut qu'il frappe. Oh, belle parade gardien sur cette super frappe, c'est pas fini. Il y a Francis qui centrera, dommage, il n'a pas pu trouver Sébastien Loubry, qui était pratiquement au point de pénalty. Superbe frappe en tout cas, allez, il faut continuer, voilà. Allez, il faut frapper, il faut tenter sa chance, voilà, dans les bras du gardien, mais... Vraiment, deux occasions là où Francillon nous a rappelé que c'était un dynamiteur. Et de toute façon, comme on sait que la Ligue des Champions de la Caraïbe, ça l'inspire toujours. On se rappellera ad vitam aeternam de son but marqué à Trinidad des 35 mètres. Un but extraordinaire, reprise de volée, 35 mètres. Pleine lucarne. Ça reste dans le top but du CSM, toute compétition confondue. Donc pourquoi pas ce soir, ou même par la suite, voir notre petit lutin, comme on l'appelle. En action. Ouais, encore une fois, il trouve Sébastien Loubry. De toute façon, les deux là, ils se trouvent les yeux fermés. Et obligé, le défenseur au milieu de terrain de Bonner de faire faute. Par derrière. Ouais, c'est le numéro 8 là, vraiment. Il a du ballon. Il a du ballon, lui. On le repère tout de suite sur le terrain. Attention. Oh là là, passé, c'est derrière. En jeu. En plus, il a raté le cadre. Ça, par contre, chez nous, ça peut être sanctionné d'un carton jaune. D'avoir continué l'action alors que l'arbitre avait sifflé le hors-jeu. Mais bon. Et en plus, il n'avait même pas au fond. Alors, il y avait quand même Kevin Ajax qui, par principe, n'aurait pas laissé rentrer. C'est clair. Par principe. Comme il sait le dire aussi lui-même. Ah, attention, là, une relance. Ah oui, heureusement qu'il n'a pas pu sortir dans un premier temps. Et comme quand j'ai vu son enchaînement, je me suis dit qu'il est trop près de la ligne de corner pour pouvoir enchaîner et centrer. Heureusement, parce que ça aurait pu être dangereux. Allez, ça repart avec Cédric Lamure. Allez, ça va mettre les ballons un peu n'importe comment. Allez, Tantin, toujours très sûr. L'autre, c'est 19 ans, Kenji Montantin, qui vraiment, depuis le début de la saison, nous impressionne. Ce poste de stopper sur le plan du jeu, avec une balle qui va être... attention, parce qu'il l'a récupéré, il frappe au-dessus. Le CSM, en 4 participations, donc, a toujours représenté très dignement la Guadeloupe. Ça nous fait de toute façon à chaque fois plaisir, mais c'est vrai que cette culture de la gagne entretenue par Richard Albert est phénoménale. Je crois que, comme il l'a dit d'ailleurs, et c'est vrai que beaucoup d'entre vous ont remarqué ses propos, c'était à la causerie de vendredi, il me semble, avant le premier match, où il parlait de la culture de la gagne dans l'ADN du club. Pratiquement depuis sa création en 1931, vous imaginez. Il y a des joueurs qui sont passés par là. On salue bien évidemment Bernard, Pascal qui nous regarde. Et tous les autres. Monsieur Michel, RM. Enfin, je vais en oublier. Monsieur Larnet, enfin plein.
Oh là, oui, elle est captée. C'est vrai qu'il n'a pas un physique facile, on va dire, mais il est sûr sur sa ligne. En tout cas, ça, on l'a remarqué. Le numéro 9 dont je vous parlais, c'est pas celui qui a disputé la finale du championnat l'année dernière. Hein. Je viens de le voir, ce numéro 9, c'est vraiment plus imaginé. Ça n'a rien à voir. Avec son centre, attention, la tête. Oh, il est hors cadre. Cette tête hors cadre. Le soleil est en train de tomber ici et que donc. Oui, il a taclé sans savoir où le ballon allait finir, mais il fallait qu'il le fasse. Allez, Cédric Vamur qui donne un peu d'impulsion, voilà, avec Sébastien Lauri qui leur donne mal. Il a fait l'effort, heureusement, pour la chercher. Willis Francione, lui, il va aller sur le côté avec Mixture. Hein, lui aussi, il nous impressionne par son volume de jeu. C'est marrant parce que j'essayais de savoir à qui il me faisait penser. Il me faisait penser à un illustre joueur français. Et en fait, j'ai retrouvé, c'est Jean Tigana. Celui-là de Mixture, il me fait penser à Jean Tigana. Et c'est vrai que depuis le début de la saison également, alors lui, ça fait plus longtemps qu'il joue en équipe première. Depuis deux ans, ouais, c'est ça. Et là, cette année, il a franchi un cap incroyable. Son poste devant la défense, donc le poste de sentinelle. On fait un petit coucou à Fabien, d'ailleurs, Béral, parce qu'il il lui a succédé, hein, on va dire. Salut bébé, hein, si tu me regardes, j'espère que tu me regardes. Avec... il essaie de... Il a le bénéfice de la touche. Alors bon, je peux vous le montrer que comme ça. Hein. Je suis désolé. Bon, allez, on va mettre comme ça parce que c'est. Voilà, avec la touche qui est effectuée. Le centre, attention. Ah oui, il a été pris là. Il était lobé, mais heureusement, c'est Morgane Justine, encore une fois, qui a pu prendre le ballon. Elle est dégagée par Marc Landre. Allez, elle est encore en l'air. Ouais, ça peut faire mal, les fautes, oui. Là, c'est à l'avantage de l'attaquant, on va dire. Ouais, bien sorti. Et une Ajax, superbe relance à la main. Bon, alors, c'est vrai qu'il fallait bien la couvrir pour Willis Francione. Diane Francis qui remet derrière. Morgane Justine avec Willis. Il se transitionne pour Sébastien Lauré. Ouais, il écarte bien. Ouais, mais elle est dégagée complètement. J'ai eu peur qu'elle vienne sur nous. Oh, ça aurait cassé une caméra. C'est pas bien grave. Elle revient sur le terrain. Attention, la ramasseur de balles a pu la prendre. Si on regarde quand même, hein, sur l'objectif, c'est le CSM qui a le plus frappé cadré, hein, depuis le début de cette première période. Dans le jeu, il n'y a rien à dire. Ça se tient bien et puis donc c'est frappes, hein, quand même, hein, qui sont cadrées, même si le gardien n'a pas eu trop de difficultés à s'employer. Mais c'est quand même une domination. Une domination boulienne pour l'instant. Après, ce qu'on craint, nous, c'est du côté boulien, en tout cas, c'est que les joueurs qui sont donc atteints de ce virus dérangeant, pour les intestins notamment, peut-être, et moins de coffres, c'est le cas de le dire, en seconde période, lorsqu'il s'agira d'aller chercher dans certaines ressources. C'est vrai que bon, c'est un peu le. C'est normal, hein, c'est la loi de la CONCACAF. C'est des matchs tous les deux jours. Alors, dans une poule de 3, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y aura quand même 4 jours entre le match présent. 4 ou 5 entre le match présent et les quarts de finale. Donc, le CSM aura le temps de se refaire, on va dire.
espère que ce virus sera un mauvais souvenir pour tout le monde. Il y en a deux joueurs là qui sont restés à terre. Ah, ça continue à jouer, alors attendez, excusez-moi, mais ils sont quand même deux à terre, hein, voilà, donc il serait temps qu'on arrête le jeu. Côté de l'arbitre de Cuirasso qui vient à leur chevet. Ah, ils restent tous les deux à terre, ils ne se relèvent pas. On va retourner sur. C'est intéressant parce que regardez, tout le monde boit là du côté du CSM. On s'est tous rapprochés du banc. Pendant que de l'autre côté, ben, les deux joueurs. On est au chevet des deux joueurs. Petit coucou également à mon ami Marius. Hein. Bon, je sais, ça n'a pas été possible de se déplacer ici, malheureusement. J'aurais vraiment aimé ce. Enfin, le duo commentateur habituel, hein, que je constitue avec Marius Diéma. Je suis sûr qu'il est en train de commenter devant son écran. Non, je me trompe. Je suis sûr. T'inquiète pas. J'espère pas bientôt. Justement. Ça voudrait dire que l'aventure s'arrêterait, mais cette année, franchement, je sais pas pourquoi il y a quelque chose autour de notre équipe qui arrive à faire une alchimie extraordinaire entre les anciens et les nouveaux. Et ça donne un jeu à ce niveau-là, en tout cas, tout à fait plaisant. Vous voyez, hein, c'est incroyable, tous les matchs de Ligue des Champions de la Caraïbe qu'on a pu suivre avant sur Radio CSM, imaginez, après sur Télé CSM, et maintenant avec les deux et la Foot TV, il n'y a pas de temps d'or, ça, c'est vraiment le plus haut niveau de la Caraïbe, de toute façon il n'y a pas de secret. Alors, il faut signaler que on est constamment en contact avec les Martiniquais, avec la Francisca, on échange beaucoup. Une certaine complicité maintenant qui se crée entre les deux et c'est tout à fait intéressant. Alors c'est vrai qu'il y a un rêve, je sais pas si je vous en parlerai plus tard. Alors si celui-là il se réalisait, ouais, je peux vous dire que c'est la fin de la mi-temps, donc c'est vrai que les organismes là demandent à souffler quelque peu, mais surtout ne pas lâcher l'effort dans ces dernières minutes. Attention, bien contre un corner. Là, on assiste à un temps fort de Grenier, en tout cas. Même s'ils n'ont pas d'occasion franche, ils se rapprochent. Donc, toujours très attention. Avec Jérémy Valmy qui donne de la voix, là, qui demande à chacun de se placer. De ne surtout pas en oublier un. Ne pas forcément les prendre de près, mais veiller à ce qu'ils ne rentrent pas. Ouais, cette balle qui sort directement en touche. Eh, bien joué ça, Landre. Landre qui revient derrière avec une bonne balle, là oui. Un bon échange, attention. Oh, dommage, il n'est pas passé. Dommage, Marc Landre n'a pas pu, alors qu'il avait fait un bon échange avec Dylan Francis. C'est pas fini la frappe. Il passe à côté. Et au moins, Willis Francione tente. Et c'est un dégagement donc proposé au gardien du Real Rincon. Et c'est. Un coup de sifflet qui permet de siffler la mi-temps sur ce score de 0-0. On se retrouve bien sûr tout à l'heure. À tout à l'heure. Et oui, à l'instant, une superbe occasion pour les Mouliens. Un déboulé de Wilson Janky sur le côté. Qui frappe de manière excentrée sur le gardien qui repousse dans les pieds de Dylan Francis qui à l'entrée de la surface de réparation tente la reprise et la met juste à côté. Alors, on a eu des petits soucis de liaison hein, comme souvent, coupure d'internet, donc on n'a pas pu la voir a priori. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Ouais, et on voit que le positionnement sur le terrain il est impeccable. Pour gêner cette équipe. On voit qu'on respecte bien les consignes du coach. C'est un but la veille. Il aurait
peut-être pu regarder dans son dos et voir Momo à l'impression de Jérémy Vanli. Roulant pour le CSM et cette ouverture du score de Jérémy Vanli qui est monté aux avant-postes. En direct, le match du CSM. CONCACAF Champions League. Oh, we speak English now. We don't speak Creole. Oh, we speak Spanish. As four teams try to make it to the next round. Alors, tu n'es pas seul, hein, parce que malheureusement, à chaque fois, il y en a deux qui ne sont pas sur la feuille de match. Il y a Valmont qui est là également, qui va prendre le micro. On va quand même suivre cette attention avec cette. Voilà, il a frappé complètement à côté. Par exemple, c'est peut-être un détail des fois, parce que c'est vrai que c'est, ça prend du temps, mais le fait d'avoir dans les deux cas vu l'adversaire en vidéo la veille, est-ce que ça vous a apporté quelque chose? On se demandait s'il fallait se fier à la vidéo ou pas. On se posait quelques questions quand même. Attention, on a bien coupé encore par Jérémy Vanli, le capitaine courage, on va dire, et qui a pris un coup. Il a pris un coup, l'attaquant également, et ils se retrouvent tous les deux à l'intérêt de suivre cette rencontre sur WorldFoot TV en direct et par la suite sur TéléCSM en différé, avec en plus, bien sûr, les reportages à venir. Sur la vie du groupe justement avec Matin il a au milieu qui est perdu par le Sforcillon. Attention, il va arriver à être en avance. Oh là là, heureusement qu'on n'a pas vu un type d'arbitrage que je tairais. Attention, on est tout seul. Et quelle parade extraordinaire de Kevin Ajax. Là il faut que tu me dises quelque chose, Marvin, là, sur cette parade. Parce que là c'était vraiment très difficile à faire ce qu'il a fait. Très difficile, il était attentif. Voilà. Est-ce que t'as pas eu peur à un moment que l'arbitre siffle un pénalty juste avant? Non. Non, parce qu'il est quand même sorti vaillamment, on va dire. Hein, enfin, je sais pas ce que t'en penses, Yohana, mais moi je. Ouais, ça je pense qu'en Guadeloupe, il y a des pénaltys. Voilà. Un arbitre en Guadeloupe, là, il hésitait pas. Mais après, là, il a tué le ballon. Quoi. On est d'accord, mais dans l'élan, en plus, l'attaquant joue bien parce qu'il saute au-dessus. Match replay sur TéléCSM. Obligé de mettre justement sur Kevin Ajax qui dégage au pied cette balle qui va être en possession et qui va même sortir en touche pour les oranges. J'adore cet accent. Cop Sportif Moulin. C'est marrant parce que j'y repense. Dans le bus hier, c'est hier, oui, je crois. À l'entraînement, je dis bon, Jérémy, quand est-ce que tu marques? Il dit, t'inquiète pas, ça va venir là, je le sens là. Non, mais sérieusement. Ben voilà, comme dit, comme fait, comme dirait l'autre. Et maintenant, il faut gérer. Parce que c'est la première place du groupe qui est en jeu. Le deuxième, lui, quand même, ce serait... Ouais, juste pour se rassurer, voilà. Ah, hors jeu, là, ouais, hors jeu, signalé. Mais bon, j'en suis pas vraiment persuadé non plus, hein. Je te l'avoue. Mais... Ah non, dommage. Parce qu'il avait éliminé son vis-à-vis, mais bon, il n'a pas vraiment regardé le centre. Alors, je sais. Le numéro 6 était remplaçant. Sur les vidéos que je vous avais montrées hier soir, vous avez remarqué que c'est tous les ballons passés par lui. Il n'a pas joué en première mi-temps. Et je peux vous dire que là, ils l'ont mis sur le terrain.
Et je pense qu'on va voir la différence dans l'organisation de leur jeu. Ah, c'est clair. Ouais. C'est vrai que sur les images qu'on avait, c'était impressionnant. Sur toutes les actions. Ça, c'est le genre de choses. Il ne faut pas faire ça, Dylan. Ça, par contre, l'arbitre ne supporte pas ça. Les gestes d'énervement comme ça, c'est systématiquement un carton jaune. Ça, c'est la Ligue des Champions de la Caraïbe. Là, ça de... Autant ils vont pas siffler des fautes, mais hallucinant. C'est vrai. Hein. Ah non, mais alors par contre, faut surtout pas manifester, leur dire quoi que ce soit. Surtout pas. Attention, une crochette, attention, bien joué, il est tout seul. Il n'a pas pu la reprendre directement, il s'ouvre le chemin du but. Elle est contrée, heureusement. Parce qu'elle aurait pu bien partir. Avec l'équipe de Bonner qui va essayer de... Attention, parce qu'il y avait du champ là. Il crochète bien, il va frapper. Et... Qu'est-ce qu'on pensait de cet envolé là? Encore un envolé de Kevin Ajax. Je suis hyper rassuré. Johan, on va abandonner juste le terrain en regardant bien sûr ce qui se passe. On l'a dit, on n'a pas l'impression qu'il peut arriver grand chose au CSM là. Ouais, il est dégagé. On n'a pas l'impression qu'il peut leur arriver grand chose. Est-ce que c'est ton impression aussi? L'équipe adverse, en ce moment... Un petit regain. Ouais, un peu plus, mais c'est pas vraiment tranchant. C'est pas vraiment tranchant non plus. Allez, c'est récupéré par Wissi Jean. Que va-t-il faire? Il donne sur le côté. Sébastien, il faut qu'il... Ah, il aurait dû... Il était loin, remarquez. Hein. Attention, il a... C'est dommage, je l'avais bien projeté au départ, mais... L'enchaînement était un peu plus difficile parce qu'il y avait quelqu'un qui coupait. Ouais, ça c'est bien joué. Alors, on dit souvent, parce que c'est vrai que Richard Albert l'a dit ce matin à la causerie, parlez-vous entre vous, mais là je peux vous dire que c'est eux qui n'ont pas parlé entre eux. Attention, il est bien passé. Il met en retrait. Oh, dommage. Eh ben, c'est toujours ce numéro 6 dont on parlait, hein, qui est rentré en seconde période, qui a réussi à enlever ce ballon alors que Wilson Janky, cette fois, avait mis en retrait. Johan, qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? C'est dur d'être commentateur. Hein. Ouais, non, c'est sûr. Tu veux prendre le relais? Non plus, bon. Non, parce que je vous cacherai pas que... Bon, c'est pas bon plein, non. Au contraire, c'est une étape passion, mais... En première mi-temps, je filme, je diffuse, je commente, je réalise en même temps. Pas évident, hein. Alors, je me suis dit, bah, vous êtes deux, là, vous êtes... Allez-y, les gars, lâchez-vous. Bon, c'est vrai que sur des arrêts de jeu comme ça, c'est pas évident de commenter, hein, mais bon, on va quand même essayer. Ça, c'est bien joué, ça, c'est bien joué. On joue en triangle, et il va lui donner une possibilité de rentrer, là. De l'autre côté, il y a quand même Cuirasso. Et Santiago de Cuba, et quand on a vu la rencontre, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'avoir sur la télé locale, non, vous n'avez pas regardé. Là, je peux vous dire, par contre, là, ça joue vraiment. Là, c'est vraiment du haut niveau. Donc, dans tous les cas, on sait que le CSM aura un quart de finale très difficile à disputer. Ouais, bien joué, ça. Oh, on en veut plus, quand même. Le CSM en veut plus que son adversaire, ça se voit. Là, il devrait se prendre un carton jaune aussi. C'est la même attitude que Dylan Francis tout à l'heure. Il devrait se prendre un carton jaune. Ne vous inquiétez pas, il va le sortir. Hein. Non, même pas.
Alors là, vous voyez, c'est un vrai exemple de deux poids deux mesures des arbitres de la CONCACAF. C'est hallucinant. Dylan Francis fait exactement la même chose. Il prend son ballon, il le fait rebondir. C'est un geste d'énervement. Là, le joueur de Bonaire fait la même chose devant l'arbitre et il lui sort pas le carton. Mais non. Les injustices, c'est pas bien. Ah, ouh, la faillite inquiéter le gardien. Ah, on a entendu des « c'est fini », ça je suis sûr que ça vient du clan des Moulins. Il n'y a personne d'autre qui parle français ici, hein, ça c'est clair. Si, à part bien sûr le club franciscain et les martiniquais, mais sinon le français on l'entend pas parler. We speak English essentially. Et c'est fini! C'est fini ici! Un cuirasseau sur cette victoire du CSM. Victoire donc, 1-0 comme vendredi. C'est un match très décisif pour nous pour la suite. Nous avons été très performants. On a respecté les consignes du coach. Voilà, on continue notre chemin. Voilà, et qui viendra donc premier du groupe en quart de finale le CSM. En plus, ça fait 4 jours de repos. Pour se préparer dans les meilleures conditions pour ce quart de finale, parce que je peux vous dire que ça va être un tournant dans cette compétition. Vous gagnez en rythme hein, depuis que vous êtes arrivé. Ouais, c'est normal parce qu'avant de venir, on est quand même resté 3 semaines sans jouer. Donc là, ce soir, c'est vrai qu'on s'est senti déjà un peu mieux, surtout en première mi-temps. Après le but, c'est vrai que Bonaire, ils ont pas mal poussé, donc on a géré le match. Ce qui n'était pas évident à gérer non plus, c'était l'intoxication de certains. Là, ben, jusqu'à maintenant, même moi, là, c'est compliqué, mais bon. On s'est fait consulter par des docteurs ce matin, je pense avec les médicaments, petit à petit ça va revenir. Justement, comment on arrive à tenir 90 minutes dans ces cas-là? On essaie, c'est... Honnêtement, c'est mentalement, parce qu'on se sent un peu faible, on rejette quasiment tout ce qu'on a mangé. Pour l'instant, on s'en sort pas mal, j'ai dit. Mission accomplie, mais pour l'instant, je pense qu'on est à notre place, sans être prétentieux, mais nous sommes champions de Guadeloupe. Donc on se doit dans ce genre de rencontre contre la Barbade et Bonaire de faire une bonne figuration, sinon gagner et ne pas perdre. Je pense que si on est à notre place simplement, maintenant le plus dur va commencer. Tous derrière le CSM. Toute l'actualité du club sportif moulien est à suivre sur CONCACAF Champions League. We speak English now, we don't speak Creole, we speak Spanish. As 4 teams try to make it to the next round. En remportant ces deux rencontres du groupe B en Ligue des Champions de la Caraïbe à Curaçao, le CSM terminera premier de ce groupe. Les Mouliens sont d'ores et déjà qualifiés pour les quarts de finale de la compétition caribéenne et affronteront le deuxième du groupe A. CONCACAF Champions League. We speak English now, we don't speak Creole, we speak Spanish. As 4 teams try to make it to the next round. Ça y est, c'est l'heure des matchs à élimination directe, les quarts de finale pour le CSM. Tout à l'heure, un match contre les locaux, les cuirassiens du Jong Holland. Ce sont bien sûr les champions de Curaçao en titre. Ils jouent à domicile, il y aura beaucoup de monde dans les tribunes. Mais je peux vous dire que les Mouliens se sont véritablement bien préparés à cette rencontre. Ils ont visionné le jeu de cette équipe hier soir lors d'une séance vidéo. Ils se sont bien sûr entraînés auparavant, encore une dernière fois hier. Petit repos, bien sûr, aujourd'hui, préparation psychologique, causerie également de Richard Albert, Steve Wissassen et Rodrigue Zamy. Le tout pour ne pas rater ce quart de finale. C'est la première fois que le CSM arrive à sortir des poules, en tout cas récemment et sous cette nouvelle formule de la compétition. Puisque vous le savez, eh bien, les poules enchaînent, les quarts de finale plutôt enchaînent avec les poules. Ici, je vous propose donc de revenir sur les deux matchs disputés depuis le début de cette campagne par le CSM. Les deux victoires, 1-0 contre les Barbadiens et contre l'équipe représentant Bonaire. Et puis de retrouver les interviews qu'on a faites aujourd'hui, celle de Steve Wissassen, qui s'est bien sûr confié sur l'état d'esprit des joueurs aujourd'hui. Et puis on s'est intéressé à nos amis martiniquais, les tenants du titre de cette Ligue des Champions de la Caraïbe. Ici, puisque vous le savez, il avait emporté la finale l'année dernière, et bien le club franciscain se prépare également à jouer tout à l'heure, à la même heure que le CSM. Il faut d'ailleurs constater que la CONCACAF, pour des raisons qui nous échappent, comme il y en a beaucoup d'ailleurs qui nous échappent ici, dans la façon de tracasser un petit peu, notamment les équipes, n'ayons pas peur des mots, françaises,
bien le match du club franciscain qui était prévu sur un autre stade à partir de 17h30 a été reprogrammé également à 20h, même heure donc que le match du CSM, ce qui veut dire que ni nos amis martiniquais ni les Guadeloupéens ici ne pourront aller voir eh bien, les matchs du club franciscain en même temps et du CSM, hein, parce qu'il faudrait avoir un don d'ubiguïté que moi personnellement en tout cas je n'ai pas. En tout cas voilà le programme de cet avant-match avant le choc entre Young Holland, l'équipe de Cuirasso qui va donc recevoir à domicile le CSM en quart de finale. Ça y est, pour la première fois, le CSM se retrouve en quart de finale de l'épreuve caribéenne. À quelques heures de cette rencontre, dans quel état d'esprit sont les joueurs et vous? Ben hier, on les a vus, ils étaient bien, puisqu'on a fait notre dernier entraînement. Je pense qu'ils sont satisfaits d'être là, puisque c'est la récompense un peu déjà de la saison dernière et de ce bon départ dans le groupe, puisqu'on a gagné deux matchs contre deux nations, Barbade et Bonaire. Je pense qu'au fur et à mesure on est en train d'entrer en régime, hein, les joueurs ont fait ces deux matchs-là qui ont permis d'être dans le rythme, on n'a pas de blessés, des petits soins pour le kiné simplement. Donc je pense que c'est positif et en plus jouer contre la nation qui nous a invités, la nation haute, donc c'est intéressant pour se calquer déjà ces nations de la Caraïbe, hein, pour voir un peu comment ça se passe. Mais je pense aussi pour se qualifier, parce qu'on est venu là vraiment pour aller au maximum, hein, pour essayer d'imiter le club franciscain, parce que pour nous, ça reste un leader de cette compétition. Donc pour essayer de faire, sinon aussi bien qu'eux, mais au moins d'arriver en finale. Pour cela, vous avez visualisé en séance vidéo l'adversaire. Que dire de Young Holland, une équipe qui a tendance à être en bloc bas et qui essaie de fatiguer l'adversaire en fait? C'est vrai que c'est assez étonnant, hein. On les a vus jouer, c'est une équipe qui systématiquement, dès qu'elle perd la balle, elle se met en bloc bas, comme tu dis, et en attente de faire des contres. Hein. C'est un peu leur point fort, ils ont quelques joueurs rapides. Donc à savoir s'ils vont utiliser cette méthode ce soir, je pense que oui, parce qu'ils ne nous connaissent pas vraiment, et s'ils ont joué comme ça sur leur premier match de poule, donc je pense qu'ils risquent de jouer comme ça en quart de finale, parce qu'ils savent très bien que ce n'est pas le moment pour essayer de prendre des risques, hein, par rapport à leur façon de jouer. Maintenant, nous aussi, on ne va pas aller la fleur au fusil. On va être assez attentiste au début et après on va pouvoir exploiter toutes les brèches. Le fait qu'il y aura beaucoup de monde, c'est peut-être 10 000 personnes qui sont venues pour le CSM, c'est ça qu'il faut se dire quand on est joueur de foot? Non mais c'est un plaisir, je veux dire, bon, vous savez, on n'a pas l'habitude de jouer devant autant de monde. Je sais que ce soir il y a du monde, hein, à l'image un peu de la sélection de la Guadeloupe, où je sais qu'ici il y avait énormément de monde qui sont venus voir ce match. C'est un sport qui est très aimé dans la Caraïbe. Il n'y a pas beaucoup de nations qui sont capables de mobiliser autant de personnes, donc profitons-en, hein. On n'aura pas l'occasion, mais surtout, pour moi, comme je dis aux joueurs et tout, c'est un bonheur, c'est une chance. Imaginez, on aurait été faire cette compétition sans pour autant jouer devant autant de monde, ça aurait été presque un peu anonyme. Donc maintenant, on entre dans la lumière, j'ai dit dernièrement, c'est maintenant que le plus dur commence. Soutenir le jeu au milieu de terrain et les inquiéter derrière, ça va être toute la problématique posée par au CSM pardon ce soir. Attention là avec ce joueur virevoltant et cette frappe de loin qui rentre. Premier but marqué par Young Holland. Okay, alors avec le reflet, ben, on n'a pas vu la balle rentrer dans les buts de Kevin Ajax, mais qui a été complètement mystifié par ce tir. Et c'est vrai que cette équipe cuirassienne, on voit pas comment il est possible de les mettre en difficulté. C'est un peu ça le souci. Attention là, il va pouvoir rentrer, il va pouvoir centrer, ça revient dans de bonnes conditions, et le deuxième but. Eh oui, le deuxième but pour cette équipe de Cuirasso. Kevin Ajax a été abandonné par sa défense et donc n'a rien pu faire. Et là c'est un contre. Il faut y aller, voilà, montre-nous ce que tu as dans les jambes. Oh. C'est impossible de passer, ils sont revenus à 3 derrière pour le bloquer.
magistralement, mais... Bah oui, il a envie de partir, alors ils se sont dit, non, on va pas le laisser faire ce qu'il veut quand même chez nous. Pas exagérer non plus. Et pourtant, Dieu sait si Will Steel Janky a du talent, mais là... Eux, ils ont de l'expérience et de l'efficacité défensive. Allez. Que va-t-il faire? Ah bah, il centre. Elle est bonne en plus! Et le troisième but. Du plat du pied. Ah, elle a été prise à contre-pied totalement, mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce que cette balle soit mise comme ça. Ouais, ça fait beaucoup, là. Ça fait beaucoup pour le CSM. 3-0 maintenant. Ça y est, c'est fini, le coup de sifflet final. Cette victoire logique, sans bavure, mais pas catastrophique en tout cas. C'est ça qu'il faut retenir. Je sais tout simplement qu'on a perdu 3-0. On s'est beaucoup investi, hein. On s'est beaucoup investi, les joueurs et le club et nous-mêmes, le staff. Donc il y a forcément de la déception après une défaite. Mais quand on prend du recul quand même par rapport à tout ça, par rapport à la physionomie du match, par rapport au niveau de l'équipe et par rapport à ce qu'on a produit aussi, j'ai quand même un petit point de satisfaction, puisque en dehors du score, qui selon moi est quand même large, les joueurs ils ont tout donné, ils ont cherché à respecter un certain nombre de choses qu'on avait mis en place. Ils ont été jusqu'au bout des efforts, ils n'ont jamais rechigné à la tâche, tous ils ont participé mais pleinement. Ça montre quand même une belle image de l'équipe et aussi de notre football en dehors de la défaite. Puisque ce qu'il nous faut aussi, c'est de l'abnégation, c'est aller au combat, c'est savoir résister lors des difficultés. Et malgré la difficulté, jusqu'au bout, on a résisté. Et ça aurait pu être le score plus lourd si on avait lâché. Et les jeunes, là, ils ont énormément appris à travers ce match, à travers cette compétition d'ailleurs. Puisqu'il n'y a pas que ce match, il y a les deux qu'on avait gagnés, hein, il ne faut pas quand même l'oublier. Donc pour moi c'est un bilan qui est très formateur, puisque c'est de la formation dont on parle par rapport à l'équipe que j'ai. 13 joueurs sous les 20, en dessous de 21-22 ans, donc c'est quand même une bonne chose. Et je retiens qu'il faut utiliser ça pour progresser, continuer à travailler et puis terminer bien la saison, hein, parce que ça doit nous servir et ça va nous servir. Donc voilà le bilan, il faut que je reprenne le groupe pour que la déception ne soit pas trop grande et ne puisse pas prendre le dessus sur le reste. Et il faut qu'il utilise ça, justement, comme je viens de le dire, pour progresser encore et continuer à gagner chez nous, même ailleurs, pourquoi pas. Oui, parce que justement, pour cette fin de saison, c'était un véritable stage qui était organisé encore une fois. Enfin, je ne sais pas si c'est un stage, c'était une compétition. Après on peut dire tout ce qu'on veut, on peut l'utiliser comme on veut, on peut en faire l'usage qu'on voudra, mais c'est une compétition qui a été, pour moi, utile, qui a demandé beaucoup d'investissement. Personnel pour chacun d'entre nous et au niveau du club et financier aussi. Donc c'est montrer quand même qu'on a de l'abnégation et on a envie de représenter le football de Guadeloupe à chaque fois que l'occasion se présente avec les moyens qu'on a. C'est sûr qu'on n'a pas une équipe flamboyante avec énormément de très grands joueurs, mais on a une équipe dans l'esprit collectif qui répond présent avec des jeunes qui sont là et qui sont à l'écoute. Quelques cadres qui sont, comme vous avez vu cet après-midi, avec Willis, avec Seb, avec, pour ne citer que ceux-là, avec Valmy, qui jouent pleinement leur rôle. Et je crois que c'est ça aussi. Ça aussi, il faut le valoriser. Donc, je pense que c'est une compétition qui valait la peine d'être vécue. Et on l'a vécue de manière très pleine, sans relâche, jusqu'au bout, jusqu'à ce soir. Donc, en fin de compte, pas trop de regrets. Merci beaucoup. Merci, Roger. Willis, on va dire fan de l'aventure, mais c'est déjà mieux qu'auparavant. Accéder au quart de finale, c'est déjà bien. Et pour toi, trois gros matchs hein, qui ont été faits pendant cette semaine. Oui, c'est vrai que bon, c'est la fin de l'aventure, mais on a quand même réussi à passer un palier comparé aux autres années. Bon, on espère revenir encore plus fort parce qu'on a vu qu'arriver à un certain niveau, il faut pouvoir hausser notre niveau de jeu. C'est vrai que pour ma part, j'ai pas trop raté mon tournoi, mais bon, toute l'équipe entière a fait un bon tournoi. On est quand même arrivé à nos limites. Bon, on espère bien que ce qu'on a vu, ce qu'on a pu apprendre, nous servira à notre retour en Guadeloupe.
Parce que bah, on a vu aujourd'hui en quart de finale une opposition vraiment très forte. En fait, on a l'impression qu'on est déçu, certes, mais il n'y a pas de regret à avoir. Je dirais quand même qu'il y a un peu de regret parce qu'on aurait pu revenir à 1-1 avec certaines occasions. Et après, on sait que plus le match continue, plus physiquement ça va être dur pour nous. Et ils ont eu un joueur qui a été exceptionnel ce soir. Et il a fait sa part des choses. Quoi. On retient quoi bah, ça va aider le CSM à encore une fois faire une bonne fin de saison? Je pense que oui, parce que c'était surtout au niveau des jeunes qui n'avaient pas encore connu ça. Nous, on le connaissait déjà, donc j'espère que ça leur a servi pour qu'arriver en Guadeloupe, qu'on puisse écraser tout ce qui est écrasé. Quoi. Il ne reste que le championnat à jouer, c'est tous des finales qu'on va jouer à fond. S'il y a une équipe qui n'a pas joué deux matchs en retard, on le disait Benji pour le CSM, tout simplement parce que le CSM a participé à une autre compétition là. Oui, à la Ligue des champions de la Caraïbe, où ils ont échoué au stade de quart de finale. C'était la première fois. On va découvrir les images justement du CSM. C'était la première fois qu'ils arrivaient à ce stade de la compétition. Ils ont échoué 3-0, avec beaucoup d'enseignements à tirer dans cette rencontre. J'ai trouvé un CSM qui était pris de vitesse, beaucoup de manque d'intensité dans les intentions de jeu, et un CSM qui souffre surtout d'un manque d'adversité de taille dans son championnat. C'est surtout ça. Le CSM n'a pas vraiment d'adversaire. Et on l'avait dit déjà depuis la fin des années CSM-GSVH, ouais. Le CSM qui souffre beaucoup de ce manque d'adversité. Ça rappelle et donc l'équipe de Ligue 1, ça, non? Oui, le PSG qui a perdu d'ailleurs 5 c'est pas le bonjour pour parler de ça. Avec les mêmes ça va, ça va, Luc, ça va, c'est pas le bonjour pour parler de ça. Donc, ils perdent 3-0. Ils avaient déjà fait le maximum pour se qualifier avec 2-0 face à une équipe de... Mais oui, c'était pourtant bien parti, oui, cette affaire. Mais quand on regarde les équipes qu'ils ont rencontrées, ce sont des équipes qui ont retrouvé, alors plutôt celle de Barbade, qui a retrouvé cette compétition l'année dernière, après 15 ans d'absence. L'équipe de Bonaire, qui était là pour la deuxième fois de son histoire. Mmh. Donc forcément, c'est des équipes qui ne sont pas vraiment du niveau de ce qu'on a vu donc en quart de finale face au CSM. Bah, tiens, ce que je propose maintenant, c'est de faire un bilan avec Richard Albert, l'entraîneur du CSM. Il est avec nous, Richard, en direct par téléphone. Bonsoir, Richard. Alors, on va l'avoir dans quelques minutes. On va l'avoir, Richard Albert, par téléphone, parce qu'on sait qu'il regarde. Il est avec nous. Bonsoir, Richard. Oui, bonsoir à tous. Oui, alors, ben, on en vient pour le bilan de cette compétition. Déjà, ben, parlez-nous un peu de tout ça. Ben, c'est une belle compétition, intéressante pour cette jeune équipe du CSM. C'est vrai que ça s'est fait éliminer en quart, mais on avait déjà quand même remporté 2 victoires à Curaçao sur les poules. On a fini premier de notre poule. On espérait effectivement rencontrer le deuxième de l'autre poule. Malheureusement, Curaçao a fini à la deuxième place. Ça aurait pu être que Cuba, je pense que ça aurait été peut-être plus simple. Mais sur l'effectif quand même que j'avais, il y avait quand même 13 joueurs qui découvraient, 13 à 14 joueurs qui découvraient cette compétition, qui sont des moins de 21 ans, donc pour moi, c'est Ils n'avaient pas le niveau, Richard? Ils n'ont pas le niveau, les jeunes, vous voulez dire? Oui, mais à ce moment-là, on prend les U19, on va jouer la Caraïbe. Mmh. Les choses se préparent, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Quand vous avez des joueurs qui découvrent la Régionale 1, et pour la première fois qu'ils vont dans la Caraïbe, et qui sortent un match quand même contre une équipe de Curaçao qui est plutôt intéressante, même si on a perdu 3-0, je pense que le score est un peu lourd. C'est enrichissant et c'est surtout encourageant pour ces jeunes. Comme je vous dis, qui découvrent la Régionale 1. J'ai beaucoup de U17, Montantin, nous avons aussi Jean-Ky, je ne vais pas tous les citer, mais c'est formateur et puis le club franciscain qui arrive derrière qui fait le ménage. Et c'est normal là aussi. Justement, Richard, j'allais vous dire, en parlant du club franciscain, vous vouliez dire quelque chose? Oui, c'est la question qu'on allait poser. Pourquoi le club franciscain est allé plus loin? Comment vous l'expliquez? Mais je vous ai déjà donné la moitié de la réponse. Le club franciscain, c'est une équipe qui a remporté cette compétition l'année dernière, qui a des joueurs confirmés qui sont entre 28 et 32, 33 ans. Même il y a PL5 qui est encore là à 39, 40 ans, et qui est arrivé jusqu'au mois d'août à jouer contre les pros à Costa Rica. Donc il faut comparer ce qui est comparable. C'est pourquoi je ne veux pas être défaitiste et dire qu'on est mauvais. Non, on n'est pas mauvais. Je pense qu'on est en formation. Concernant mon équipe, en tout cas, par exemple, je dis franchement, si je finis première de la Régionale 1, il faut se poser des questions. Ah bah Richard, j'ai quand même 14 joueurs qui ont moins de 21 ans et qui découvrent la Régionale 1. Mm. Donc, je suis là pour aussi défendre mes joueurs, mais pour faire un constat objectif. Il n'y a pas de comparaison entre le club franciscain qui arrive en finale et qui risque de gagner contre Suriname demain et le CSM
qui est en pleine reconstruction, et tout le monde le sait très bien. Oui, mais alors, Richard, on parle quand même de la quatrième participation du CSM dans cette compétition. Vous n'avez pas eu tout le temps une équipe jeune. La participation n'est pas avec l'histoire du club, mais avec ceux qui sont sur le terrain. Alors, à un moment, je prends les 19 et je les emmène à la CONCACAF et on dit que nous sommes à la cinquième participation. Non, il faut rester objectif. Et je crois que, heureusement, nous, éducateurs, qu'on a ce talent-là de bien lire les choses et de comprendre ce qui se passe. D'autant que plus qu'en face, il y avait trois pros que le c'est club ce que a dénoncé. C'est ce que j'allais vous le dire. C'est quoi, c'est quelqu'un a dénoncé ça. Ils ont voulu porter réserve. On leur a réclamé 3 000 euros pour pouvoir introduire la réserve. Donc ce qui veut dire aussi qu'ils se sont mobilisés justement contre le sort et je crois que le Curaçao était aussi à son cinquième match d'affilée hier, tous les deux jours. Ils ont craqué sur les 30 dernières minutes. J'ai eu l'entraîneur du club franciscain ce matin, il m'a un peu raconté le fil du match. Donc voilà, un peu pour aller vite puisque je sais que je n'ai pas beaucoup de temps. Oui, mais en tout cas, merci d'avoir accepté de répondre en tous les cas en direct à nos questions. On voulait un peu faire avec vous le bilan justement de cette compétition. Et bon, on va dire qu'il est quand même toujours enrichissant. Merci beaucoup, Richard. Petit souvenir avec le CSM qui a joué sa quatrième Ligue des champions de la Caraïbe en 5 ans. C'était à Curaçao. Il s'agit maintenant d'une compétition amateur. Or, en quart de finale, nous avons pu démontrer que 3 joueurs, soi-disant de Jong Hollande, étaient des pros venus de Hollande, justement, et effectuant une pige pas très fair-play. Et vous allez facilement reconnaître l'un d'eux, c'est celui que l'on peut stopper en tirant sur ses locks. Alors lui, quand il prend le ballon, vous voyez ce qu'il est... Small V, mid inside, sotto rapper de mi banda nanta small G. Aggressiv, rip un beat maniera vector. Sta punya nambo manna yundi nambo bin directo. Mi po slicabu qua rapper ta riba bluff, qua rapper ta keda trot, qua rapper ta piti puff. Mi po slicabu qua rapper ta yega top, qua rapper ta dem flop, qua rapper ta batti glock, a welta beef nanke, pisa nami di beat. Mi di un go fofo kuta batti sin fin. Attention là avec ce joueur virevoltant et cette frappe de loin qui rentre. Premier but marqué par Jong Hollande. Il y a trop de lumière là, de ce côté-là. Et on ne voit pas grand-chose. Là, le poteau, on voit rien. Attention, il va frapper. Non, il s'est mis en position de frappe. Il rentre dans la surface. Et il a simulé une faute. Match replay. Bien défendu, encore une fois, et rattrapé par Mixture. Sébastien Laurie qui perd son ballon. Attention à ce joueur. Très vif, en tout cas. Il sollicite à nouveau le ballon, mais on ne lui a pas donné. Però ti nega scuda risca na libertà di spapretto su e si tocciò la casa se Tassina mi pidata, tassina mi pidata Tassina mi pidata, tassina mi pidata. Regardez cet extérieur du pied, il se la remet. Ah oui, bien sorti Sébastien Lobry, il fallait la prendre. Parce qu'encore une fois, ça aurait pu être une occasion. Ah, heureusement que Mixture est revenu, et vraiment Mixture depuis le début de la saison. S'est affirmé comme un véritable titulaire et ratisse, comme on dit, un nombre impressionnant de ballons. Là pour cette équipe voilà, qui gère, fait tourner tranquillement, prend pas de risque. C'est un peu ça qui est impressionnant avec cette équipe. Il laisse venir. A récupérer ce ballon. Ah, une balle qui passe juste à côté.
Tata buskundi kong pakiko pabiba takiko tabong famiyang na mesko ay mami ladrong tamira turdia kon toh mi the score turene ke klaro na mundo af muri pour bando bosak mon koy ta bike match replay. Salut, c'est Richard Albert, vous êtes dans le direct intégral. Il faut les gêner quand même dans les transitions de transmission de balles, sinon ils vont pas la perdre. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Na promelo mi explica algún cos Futin gente cuta de se llame morto Oh Dios, madraico gente gel Gente blanco, gente tos Fade en juventud, mas sale mira cosmos nega. Voilà, et là il revient derrière puisqu'il ne peut pas avancer. Joueur qui doit perdre un minimum de ballons dans un match par rapport à son jeu totalement simple mais très très efficace, très élégant. Pièce maîtresse en tout cas de cette équipe. Allez, vous voyez, c'est l'ancienne qui a récupéré son ballon. C'est de. Ouais, alors là, il a été quand même un peu bousculé par derrière encore, mais aucun coup de sifflet. C'est avec ses arbitres de la CONCACAF. Oh, attention à cette tête, super! Foi chiqui de droga, está ali paga nini, balota e llega, cerca pavo, sinti, mim que sata, quanto é, não logra pique, tem que vir comprar, vou para na queda limpe. E regarde ce qu'il va essayer de faire. Il va, voilà, il a peut-être été trop présomptueux. Il a été contré, mais il y retourne. Il provoque. Ganha na culpa, só um bota via riff, vou abontar na caspa, quando vira friki. Et je viens d'entendre le coup de sifflet de cet arbitre qui signale tout simplement la fin de cette première période. Attention là, il va pouvoir rentrer, il va pouvoir centrer, servir dans de bonnes conditions et le deuxième but. Attention, avec cette lutte là, en défaveur de Willis Foncillon. Eh oui. On vient de me. Et un carton jaune pour Willis Foncillon. Mi baby, mi stimabu fori, mi doshi, mi stimabu fori, mi maske, mi stres, bosaku, sempre rasa, no stimabu fori, jasa, mi stimabu fori, no duda, mi stimabu fori, bosano. Match replay. Salut, c'est Richard Albert, vous êtes dans le direct intégral. Ouais, belle couverture de Montantin encore. Ouais, très facile. Ses interventions. Ah, il sauve le corner en plus et cette épreuve caribéenne de très haute tenue, de très haut niveau. Ah, il s'amuse avec le ballon. Là. Ah, il a bien trouvé en profondeur. Le numéro 10, attention. Ouais, Kadji Montantin bien revenu. Attaque, mais comme ils reviennent très très vite, ils sont vraiment venus. Sur leur basque d'une façon à haute vitesse, alors franchement, ils ont récupéré le ballon, hein, tout simplement. Regardez,
Ah non, ce joueur, il est exceptionnel, tout ça pour remettre une balle à son gardien. C'est incroyable. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Sinti mas mio, desde kuma pai. Sou macia com simbol, mi popipa mas mio. Passo desde kuma pai, desde kuma pai. Porque da yura sou, desde kuma pai. Desde sinti mas mio. Zetra e zetra e zetra. Stack on stack on stack. Nada de wiggle, nada de black. Meu papo é de massa, me sora da pé. Não dá nem menos, dá mim dinheiro. Double off, me da cobra na aero. Não falha esse coque de sério. Une balle en profondeur là, attention, le gardien qui va sortir. Oh là là, il s'est. Match replay. Salut, c'est Richard Albert, vous êtes dans le direct intégral. Attention, regardez, alors là, je pense qu'il va nous faire quelque chose. Il essaye en tout cas. On le voit plus, et là, ah, non, trop, il en fait trop. Il a de la qualité, ça c'est clair, il a de la vitesse. La technique, mais il en fait trop. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Quand il est rentré dans la surface, il s'est retrouvé du côté droit pour lui. Et c'est là qu'il aurait dû frapper. Le crochet était superficiel, superflu, dans périmètre réduit. C'est... Attention avec cette tentative. Non. Match replay sur TéléCSM. Attention, regardez, qu'est-ce qu'il a. Oh là là. Et pourquoi il ne frappe pas à la sortie? C'est incroyable. Il a encore contré. Alors qu'au départ, il est un sombrero, on ne sait même pas comment il l'a fait passer au-dessus de la tête. C'est incroyable. Ah ouais, non, ce joueur a de la qualité. Que dans ce même groupe, bah, c'était Santiago de Cuba qui était arrivé en tête. Là aussi un sérieux prétendant. Et on espère que, bah, comme souvent et comme d'habitude, on va dire, nos amis martiniquais du club franciscain vont réussir à aller le plus loin possible et pourquoi pas conserver leur titre parce qu'ils en ont les moyens. Regardez ça, il va encore tricoter. Il s'est dit, ça servait à rien que j'aille à gauche, faut que j'aille à droite tout de suite. Allez, on va leur donner le ballon certainement. Ah non, on préfère le donner à quelqu'un d'autre et la frappe pour passer un jeu de l'autre côté. Quel métier il fait, parce que a priori ce sont des amateurs, mais c'est vrai qu'on a vu jouer tout à l'heure sur Inam, on se demandait si c'était pas une équipe professionnelle. Ah, là, oui, là par contre il y a une faute, on va rajouter un peu, mais et un carton jaune bien sûr pour Montantin, mais bon, je pense qu'il en a un peu rajouté. Ouais, je disais, je sais pas quel est son métier ou sa spécialité. Peut-être est-il bon avec des aiguilles. Tricoteur, peut-être. Ça, je ne sais pas. Ah, parce que là, il y aurait. Rien que sur ce match-là, il y a florilège. Florilège à faire, un best-of. Qui va rentrer. Attention avec cette tentative. Ouais, ouais, bien contré. Et là, c'est un contre. Il faut y aller. Voilà, montre-nous ce que tu as dans les jambes.
Oh, mais c'est impossible de passer. Ils sont revenus à 3 derrière pour le bloquer. We zijn met respect afgevoerd, maar we zijn zonder beloofd. Sommigen praten mee, maar doen niks. Af en toe zijn mee om alleen bij te horen. Zeg, we delen namens jullie die weer in de spel. Samen spel met mijn maten G's. Ja, we rollen strap. Who's next? Wachtende Messi, wachtende cash. De journalisten zeggen, die jongens die zijn gek. En direct, le match du CSR. Match replay. L'expérience et l'efficacité défensive. Allez. Que va-t-il faire? Ah bah il centre. Elle est bonne en plus. Et le troisième but. Du plat du pied. Alors, elle a été prise à contre-pied totalement, mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce que cette balle soit mise comme ça. Ouais, ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup pour le CSM. 3-0 maintenant. Changement que je vous annonçais, Christophe Despen. C'est bizarre parce que ouais, c'est vrai, ça, ouais, effectivement ils lui ont fait refaire le maillot. Ouais. Bon, c'est assez bizarre. Et c'est donc Sébastien Lobry qui sort. Temporada como show me love, temporada como show me love, but no worry me. A woke me tem outro tal love, a woke que cansa minha cabeça. Temporada como show me love, temporada como show me love, but no worry me. A woke me tem outro tal love, a woke que cansa minha cabeça. Meu sentimento não tá meio como mas, meu sentimento não. Olha, tá com vejo isso. Passou na trosta brother fake. A todo lo, nada que é deseita zoe. Nada bim pra cabalate, bonta yega nina pauli. Bota choco, rabonheta, pana blanco. Anto bom por yega cerca, nada grita mistimabu. Porte olhos, não acaba na puta bota. Nada bim decidido pra quita e life de brother. É isso aí, sapão. Sapão. Et carton rouge. Match replay. Sur TéléCSM. Là, il est, ouais, là, heureusement qu'on vient juste il a pu écarter et mettre en touche. Allez, va lancer en profondeur. Allez, qu'est-ce qu'il va nous faire là? Allez, crochet, non? Ah, non. Il a les moyens de passer. Il est passé en tout cas. Et il tente, petit filet. Non, il y avait mieux à faire encore une fois, mais bon. Ça y est, c'est fini. Le coup de sifflet final. Cette victoire logique, sans bavure. Mais pas catastrophique en tout cas. C'est ça qu'il faut retenir. J'espère que bon nombre d'entre vous qui ont pu voir cette rencontre grâce à nous bien le souligneront. Le CSM qui a quand même
essayez de faire vos visages. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. Très bonne soirée, c'était un plaisir. Merci et à la prochaine fois. Tu ne vas pas deviner, j'ai été au courrier ce matin et notre envoyé spécial à Cuirasso lors de la Ligue des Champions de la Caraïbe Amateur nous a envoyé des cartes postales. Ah bon, mais pourquoi ne nous a-t-il pas passé de coups de fil à l'époque? Attends, mais c'est quoi déjà le code pour appeler la Guadeloupe? Oh là là, c'est pas possible. Le numéro que vous avez demandé n'est pas en service actuellement. Oh là là. Nous regrettons de ne pouvoir donner suite à votre appel. Non, ça passe pas, hein. C'est juste pour rire. Salut, salut. C'est juste pour vous montrer dans quelles conditions le CSM est logé, en fait, ici à Cuirasso. Alors, les mauvaises langues en Guadeloupe, ils disent que le CSM, il a de l'argent, c'est un club. C'est vrai, hein, parce qu'on voyait où ils sont. Bon, moi, je suis logé dans les écuries, en fait. Hein. Eux, ils sont dans le Hilton. C'est un hôtel 5 étoiles. Hein. Bon, moi, mais c'est quand même pas mal. Hein, où je suis. Enfin, on verra la vue tout à l'heure. Hein. On va se permettre de rentrer. Donc, voilà la cuisine. Oh, c'est sympa, on peut se faire à bouffer, sauf que j'ai pas les moyens d'aller faire des courses. Ah, j'ai quand même un frigo qui est bien achalandé en jus, en fait. Alors, il y a du jus de pomme, du jus d'orange, et j'ai l'impression que ça vient justement du Hilton, en fait. Ah, et puis, j'ai congelé deux plats au cas où, le jour où je pourrais m'interdire de manger au restaurant de Hilton, enfin, on ne sait jamais. Voilà, on continue la visite. Bon, la chambre, elle est spacieuse. Hein. Oh, il y a même un écran plasma, dis donc. Il parle en quelle langue, ces cons-là? On est où, là? On est à Cuirasso, dans la Caraïbe. Ça parle hollandais? Moi, je sais pas, j'ai juste fait de l'allemand quand j'étais petit, je peux pas vous dire. Voilà, puis c'est là, c'est mon lieu de travail, de montage. Je passe toutes mes nuits à faire les montages pour TéléCSM. Si vous saviez le boulot que ça me fait, c'est... Ah, puis je leur montre aussi les extraits des matchs de leur adversaire. Vous vous rendez compte? Comme des pros. Ouais. Ah ouais, je passe du temps, là. Hein. Ah ouais, théoriquement, j'ai pas le droit de fumer, mais... ouais, il paraît qu'on n'a pas le droit de fumer dans les champs. Bon, je sais pas, le reste... Ouais, une penderie normale, quoi. Ouais, voilà, quoi. Ouais, la salle de bain, elle est pas top, mais elle est pas mal. Non, parce que je fais ce petit reportage sur ma chambre dans les écuries, parce que... Après, j'irai dans les chambres des joueurs. Alors là, vous allez voir, c'est top niveau. Hein. Bon, ce qu'on peut faire, peut-être, c'est vous montrer la vue quand même. Ça par contre, ça, c'est... Ah non, quand je me réveille le matin... Bah, d'ailleurs, je vais aller me baigner, comme j'avais fait dans le reportage tout à l'heure. Ah ouais, attendez. C'est la chambre de Bonne. Attendez, je vais tourner la caméra quand même. Vous voyez, ça, c'est... Ah non, c'est un truc de ouf. Voilà, je sors de ma chambre, regardez. Regardez la vue que j'ai, quoi. Enfin, reste que comment je suis, quoi. Il faudrait que je me baigne pas trois fois par jour, ça va pas, quoi. Je suis pas un beau loco. Bon, en plus, il y a un petit terrain de volley, là. Ah, c'est top. Ah, c'est... Non, ça, pour ça, c'est top. Donc, regardez-moi cette mer, quoi, c'est... Purée. En Guadeloupe, pour avoir une eau comme ça... Faut aller à Lons-la-Borne dans ce Bertrand, quoi. C'est fou. Allez, la couleur de l'eau, quoi. C'est... Ah, puis il y a même des blancs qui font de la plongée. Avec masque et tuba, je sais pas où ils vont, mais parce que en fait, on a pied jusqu'à... Il y a, je sais pas si vous le voyez, il y a un mec avec masque et tuba palme. On a pied jusque là. C'est marrant. En fait, il suffit de se mettre au bord, je vous jure. Si je peux, parce que j'ai quand même. Attends, j'ai quand même de l'argent, je travaille à TéléCSM. Je suis 2 étoiles, hein, je suis Champions League. Hein. Donc je vous disais, si j'ai l'occasion, comme j'ai un iPhone waterproof, il suffit de mettre le téléphone dans l'eau et c'est aquarium. C'est hallucinant. Là, hein, au bord, hein, c'est fou. Voilà, voilà. Ah, dis donc, Ligue des Champions de la Caraïbe, c'est fatigant. Ah, moi, j'en peux plus. Ah non, être logé dans ces conditions. Alors que à 500 mètres, eux, ils ont tout ce qu'il faut sur place. Enfin,
Bref, j'en suis sûr. Curaçao, ça restera dans nos mémoires. Qu'est-ce qu'on se fait chier en Ligue des Champions de la Caraïbe? Franchement, ben, je passe mes journées quand j'ai rien à faire, aller au sauna, au jacuzzi et au hammam. Et en plus, je suis le seul à y aller, je comprends pas. Les joueurs, ils y vont même pas. Alors qu'on sait que pour la récupération, il n'y a rien de mieux. Quoi. Ah non, c'est la dernière fois que je viens là. En plus, l'eau, elle est à 38 degrés, quoi. Oh là là, on étouffe. Mais attendez, parce que vous travaillez dans le sauna et le hammam, c'est pire. Allez, suivez-moi. Non mais c'est quoi ça? C'est un four. Il fait 90 degrés, c'est insupportable. On remarque, quand je vois mon bide, ah, je suis peut-être des kilos à perdre quand même, en fait. Tiens, je vais rajouter un peu d'eau là dans le truc pour voir si c'est ce que ça fait. Loupé fait griller Zelana dans l'œil, frère. C'est infect, tu vois, il fait 62 degrés là-dedans. Ouais, mais là, bah, je suis sûr de pas y aller. Et dire que je pensais avoir perdu des kilos en allant au sauna, en fait, c'est pas possible ici. Ah, j'en ai marre. Regardez ce qu'ils nous mettent dans les assiettes, quoi. Dès le matin. Ouais. Ah, puis alors, si je vous montre mes friandises. Ouais, non, c'est pas une vie, hein. Non, mais moi, je peux plus, hein. Ah non. Je peux plus. La Ligue des Champions, c'est pas possible. Ouais, alors je m'ennuie tellement là, cette Ligue des Champions de la Caraïbe à Curaçao, que je profite quand même un peu de la mer. Alors, c'est vrai que j'ai aussi été au sauna et au jacuzzi, mais au hammam, mais bon, c'était pour reprendre des kilos au buffet, alors de l'hôtel, c'est pas terrible. Mais c'est vrai que la mer, alors là, franchement, c'est nickel. Regardez ce qu'il y a derrière moi. Regardez cette luminosité. Et bah, vous allez voir tout de suite, je vais mettre le. Je vais plonger avec mon masque et puis vous allez voir, c'est un aquarium. Hein. Il y a des poissons partout. Ah ouais, c'est pas un mythe, hein. C'est un spot de plongée extraordinaire, Curaçao. Des poissons de toute taille. Et encore, je suis sûr que j'ai encore rien vu. Eh ben, il y a même des tortues. Et j'ai rejoint mes amis en bouteille et en combi. Et non, pas vrai, il y a même des dauphins.
Oh, j'y retourne. Là par contre, j'ai eu la peur de ma vie. Vous avez vu comment ce requin bulldog m'a bouffé ma perche et ma caméra? Je sors tout de suite. Hein. Ah non, la Ligue des Champions Caraïbes à Curaçao, c'est n'importe quoi. Je me plains, mais je crois que certains joueurs, notamment les jeunes, ont plus de raisons de se lamenter que moi. Tous les jours, ils étaient en colle, en retenue, en punition si vous préférez. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait à leur professeur, mais il ne les a pas loupés. Enfin, quand ce dernier ne dormait pas. N plus 1 n'est pas plus petit que N. Qu'est-ce qu'il a dit? N plus 1 n'est pas plus petit que N. Ah oui, oui, ah, non, ça bon. N plus 1 est plus grand que N. Donc ça c'est faux. Et dans la bière, en fait, je vais juste... Ça c'est faux, donc ça c'est faux. L'évolution. On n'est pas au tireur. On a mis l'équivalence partout, on arrive à quelque chose qui est faux. Quand ici. Pas d'évolution. Ça veut dire que le point de départ ici était faux. C'est bien ce que tu recherches. Comme d'accord. Une organisation performante. Ce qu'on appelle une démonstration par l'absurde. On suppose que ça c'est vrai et on démontre qu'on arrive à quelque chose d'absurde. Donc, au départ, c'était faux. T'as vu? Donc, vous voyez, il faut bien choisir la méthode. Là, la méthode, elle était quand même relativement simple par rapport à ce que vous avez essayé de faire. Hein? Et là, c'est encore une autre méthode que je choisis ici. Pourquoi? Parce que ici, j'étais un peu embêté là. Hein? Parce que tout à l'heure, ce qu'on montrait tout à l'heure, c'était que SN est plus petit que 1. Mais ça peut être plus petit que 1, tout en étant plus petit que 1,5. Donc on ne démontrait rien. Là maintenant, on parle de quelque chose qu'on suppose être vrai, et on aboutit à une contradiction. Donc, l'hypothèse de départ est fausse. Marie-Jo, ce qui n'est pas absurde, c'est qu'au CSM, on fait travailler les jeunes qui sont en terminale pour la plupart. Comment ça se passe depuis le début? Ce qui n'est pas absurde du tout, c'est que nous avions un accord avec les parents et avec les proviseurs que ces jeunes puissent avoir l'accord des 10 parents et des 10 proviseurs que le CSM s'engageait à les faire travailler le plus souvent possible durant la dizaine de jours qu'on passait ensemble. Donc avec Richard et l'encadrement technique, on a mis au point un emploi du temps qui tient compte des obligations en termes d'entraînement sportif et des obligations et des contraintes que nous avons en termes de travail scolaire. Alors ils ne sont pas tous dans la même classe, donc ça veut dire que c'est un peu un travail à la carte adapté. C'est ce que connaissent beaucoup d'enseignants, c'est-à-dire en fait on a plusieurs niveaux dans la même salle. Et c'est le cas ici, c'est dans un contexte, un cadre très agréable. Nous avons des bacs ES, des bacs S, et nous avons un BTS. Et avec Pierre Saint-Manson, qui est professeur de gestion et de comptabilité, et moi-même professeur de maths, donc c'est arrangé pour les faire travailler. Et comme je ne suis pas particulièrement nul en philo, hier on a eu une bonne discussion sur le programme de philo agriculture, aussi bien pour les ES que pour les S. Et c'est très intéressant, c'est même tout ça même passionnant parce qu'ils sont très attentifs, très sérieux. Et je crois même qu'ils travaillent en dehors de ces séances communes que nous avons, ils travaillent aussi quand ils sont dans leur chambre. Alors, une question un peu mathématique, 4-4-2 demain ou 3-5-2? Dans tous les cas, 3 plus 5 plus 2, ça fait 10. Ils 4 plus 4 plus 2, ça fait aussi 10. Ils seront et si on ajoute le gardien, ça fait 11. Donc, dans tous les cas de figure, on s'y retrouve et ils sauront très bien combiner ces nombres entiers. Ouais. Hein, et je leur fais confiance. CQFD, comme dirait l'autre. Je vois qu'il y a Dylan qui apparaît. Dylan, toi tu es en études supérieures, hein.
Tu es donc en BTS? Je suis en BTS. Donc tu travailles seul de ton côté en fait? Je travaille, non. Non, je travaille avec le président. Il, oui, m'a, c'est ça. Il m'a aidé beaucoup. Mm-hmm. Et avec Richard aussi. Mais du coup là, je finalise mon projet. Ouais, c'est quoi? Tu travailles sur quoi sans indiscrétion? Je travaille sur un projet par rapport à mon entreprise que j'effectue mes périodes de stage. Mm-hmm. Et mon projet, ça consiste à améliorer la communication externe de l'entreprise de la Suède. Très bien. Bonne continuation. Merci. Je ne vais pas te déranger. So, which one can speak English with me? Nounou. Oh. I'm English. You see, no, no, no English. what do you think about this experience here in Curaçao? I think this experience is it's a privilege for us. Yeah. Because we're learning how to play football in the Caribbean, because it's very rough. And plus, we're doing our homework besides by playing football, and we have to. Ah, yeah. You know, stop. You are English people, so no. No? You was born in which island? Guadalupe. Guadalupe. Yeah. Si. Why do you speak very well English like that? Because I was raised in St. Martin. Ah, yeah. Then I moved to Guadalupe. So in St. Martin you... Yeah, I lived 17 years old in my life. And you speak always English? Not always, but friends. I have a lot of friends who spoke English. Okay. So you are the traductor of the team. Of the team, Quant aux plus anciens, eux, ils avaient quartier libre tout le temps et prenaient du bon temps pour faire passer le temps. Et de temps en temps, bon allez, on va arrêter la poésie, parce que franchement, ce genre de politique à deux vitesses, entre les jeunes et les anciens, ce deux poids deux mesures, ça aussi, cela m'a pas plu. Nul. Il y a des loups. Ça sort, ça. Oh, ça fait. Et si la blanche, elle rentre, c'est pas bon. Tu m'arrives pas à l'école. Tu l'as deux quoi. Ouais, c'est ça. Non, pas du chou, bon, tu m'as dit. Non, mais là, t'as beaucoup de personnes. C'est normal qu'il y ait autant de violence dans un domino? Oui, c'est le côté Guadeloupe, le côté soit beaucoup de gaieté, beaucoup de. C'est ça. Et le chambrage, surtout le chambrage. Ah, je comprends pas, depuis le début, il y a toujours des équipes de football qui me gâchent la vue. Je comprends pas, ils passent devant moi. Mais pourquoi il y a autant de footballeurs ici? Je comprends pas. Enfin, vous avez bien compris que tout cela est pour rire. D'ailleurs, heureusement, il y avait du foot au programme tous les jours. Le dernier entraînement avant le deuxième match de poule face à Bonaire a été essentiellement technico-tactique. Le tout pour préparer cette rencontre dans les meilleures conditions. Ah tiens, bien la phrase là. Bon, moi, attaquant à Zot, capacité. Si côté à Zot, et capacité. Mais. Toi avant nous. Matane. Ah ouais, Bougat il a bien fait ça appel. Mais oui. Le capitaine là. Le capitaine doit avoir. Non, même ici. C'est là où Bougat va lever du appel. Ça m'a donné un jour là, tu m'as aidé. Il a pas là-bas. C'est possible au milieu gauche. Il passe pas au jeu là. Il est au jeu là. Il est au jeu là. On refait le match les gars. Yes. Qu'est-ce qu'on pense en tout cas?
Et après cet entraînement, on se rend compte qu'au CSM, l'appétit vient en mangeant. Ouais, par contre, pas bien la phrase là, hein, car elle ne s'applique qu'à moi, qui était au buffet tout le temps. Et je vous le confirme, l'appétit vient en mangeant. Vous me demandez qu'est-ce qu'on vous allez faire en plus. J'ai dit ce matin, je serais par exemple aller travailler dans la salle, en plus, même si tout le monde ne vient pas, faire des choses en plus, aller faire quelque chose. Il y a des choses à faire. Hein. Mais au fait, je ne vous ai pas tout dit. Concluons par le qualificatif de ce voyage CONCACAF. Insupportable. La cerise sur le gâteau, des avions qui atterrissaient tous les quarts d'heure au-dessus de ma chambre.